Christus. Christus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes assemblés pour la messe d'ordination des abbés comme dans l'hier et l'Ainama, à la tour du coup, mais pour moi. Martin, Sidoine, Breteur, Mala, Michel de Languidon, Jean-Marie Moulin, Rodrigue, Mabugaye, Pierre Saint-Christ, Bengan, Bernard, Igopère, Zéba, Kébine, les gens pour un barga. Il y a sa liste numéro 2, ma sœur, c'est lui pour l'un de vous. Marc et président Obama, quelques précisions s'il vous plaît. Quelques précisions s'il vous plaît. Quelques précisions s'il vous plaît. L'autre que nous accueillons est un très grand ami du silence. L'autre que nous accueillons est un grand ami du silence. Donc lorsqu'on va prononcer les noms des ordinants, prière, regardez vos yoyos pour le moment qui vous sera indiqué. De même, vos portables, de même, les déplacements ne sont pas autorisés. Veuillez prendre vos places, s'il vous plaît. La procession est en train de commencer et nous devons les accueillir. Mais j'insiste sur l'aspect du silence. Les moments de silence qui seront observés pendant la messe ne sont pas des temps morts, mais ce sont des moments, comme le dit le cardinal, des moments de dire quelque chose à Dieu. Je reprends, les moments de silence que vous allez observer par la messe ne sont pas des temps morts. C'est l'occasion d'élever sa prière dans un cœur intérieur avec le Seigneur. Merci de bien vouloir observer ces indications. Les loups et applaudissements, réservez-les pour le moment indiqué pendant l'ordination, s'il vous plaît. Thank you.
Ah, du diocèse, parce qu'on nous a dit que tous ceux qui nous connaissent, moi je me fie à ça.
dont la présence positive nous plonge dans cette joie des disciples que le Christ visite au lendemain de la résurrection. Merci beaucoup, Monseigneur Sosthene. Vos brebis, par ma modeste voix, vous manifestent leur pleine reconnaissance et restent engagés sous votre conduite à la construction de notre jeune diocèse. Éminence, Obala est certes un jeune diocèse au Cameroun, créé seulement en 1987 par division de la diocèse de Yaoundé. Mais la semence de la foi, qui est ancienne, visitée par les pères paroissiens en 1911, l'évangélisation qui a été systématiquement entreprise en 1923 par les pères suréthains, sous la responsabilité de Monseigneur Vogt. Notre diocèse, malgré sa jeunesse, fait cependant partie du cercle des unités diocésaines les plus catholiques au Cameroun. Il couvre une superficie de 14 843 km² et comprend deux grands départements de la région du centre, la Légué et la Haute-Sanaga. Le diocèse d'Obala est aussi un espace à vocation écuménique et une terre de dialogue interreligieux. Alors les catholiques, on a les musulmans, les communautés qui sont autour des 10% de la communauté des croyants de Dieu unique et près de 15% des protestants. Toutes ces communautés de foi vivent en bonne intelligence et caressent ainsi les effets du vivre ensemble, vecteur d'une paix sociale durable. Au Cameroun, grâce à la vision du président de la République, Son Excellence Paul Biya est un État laïque et décentralisé. Par conséquent, les relations entre les collectivités décentralisées et les différentes religions établies sur notre territoire sont bonnes. La commune d'Obala apprécie l'œuvre éducative entreprise ici par les régions chrétiennes, plus singulièrement celle de l'Église catholique qui, en plus des écoles primaires, a créé les premiers collèges d'enseignement secondaire, le collège Mulier à Colombe-Banga-Parsa, le collège en 23 des Phoques, ainsi que le collège Joseph Stinzi, ici même à Obala. La commune d'Obala, en ce qui la concerne, soutient ses établissements scolaires dans le respect de la législation en vigueur. Il est ainsi, il en est ainsi de l'œuvre sanitaire. Éminence Robert Cardinal Sarah, permettez-moi maintenant de dire quelques mots sur votre impressionnante personnalité. En lisant votre biographie, on voit la rapidité avec laquelle vous avez gravi les échelons, pour ainsi dire, ecclésiastiques. De votre ordination sacerdotale le 20 juillet 1969, vous êtes 10 ans plus tard nommé évêque de Conakry et à 34 ans, le plus jeune évêque du monde, ce qui vous vaudra le surnom d'enfant évêque que vous aurez attribué au pape Jean-Paul II. Nommé à la curie romaine comme secrétaire général de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples en 2001, vous êtes promu un an après président du Conseil pontifical Cardinal pour les œuvres de charité par votre mentor, le pape Benoît XVI, puis 3 ans plus tard, comme préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrés. Poste que vous allez occuper jusqu'en 2020. Il faut toutefois préciser que c'est le 20 novembre 2010 que vous avez accédé à la dignité cardinaliste. Ce parcours extraordinaire révèle à quel point vous êtes un ecclésiastique engagé, sérieux, brillant et expérimenté. Permettez-moi de saluer cette fois-ci l'éminence de votre personnalité.
Sur le plan intellectuel, on découvre également la fécondité de votre esprit, le dynamisme de votre pensée et la hauteur de vos convictions. Je ne m'aventurerai pas beaucoup sur ce terrain, mais je dirai tout de même que vos convictions sont fortes et sans ambiguïté. Vous croyez en Dieu et à rien d'autre. Dieu ou rien. C'est un entretien sur la foi que vous publiez en 2015. Sans usurper le titre de théologien, j'ai découvert aussi que vous conseillez la modération et la pondération pour ce qui est de l'usage des traditions africaines dans la liturgie catholique. Certainement qu'aujourd'hui, nous n'avons plus assez de recul pour faire la distinction entre le mythe et la tradition africaine authentique. Personnellement, Éminence, j'ai beaucoup aimé votre réflexion sur la force du silence que vous avez publié en 2016. Si l'homme n'a plus la capacité d'écouter son corps intérieur, d'où lui viendra l'énergie intérieure qui lui permettra de trouver des solutions aussi loin aux multiples problèmes qui se posent à son environnement. Le bruit ne fait pas du bien, et le bien n'aime pas le bruit. Nous retenons aussi que pour notre propre épanouissement, notre repos, on a besoin de silence. Il faut donc le cultiver en chacun de nous pour trouver les paroles justes et pour une vie d'équilibre. C'est vous qui le dites. Le moins que je puisse dire, Évance, envers Cardinal Sarah, c'est que le questionnement que vous soulevez dans le domaine spirituel, permettez-moi la digression, est aussi valable dans le domaine politique. Voilà pourquoi vos écrits m'ont paru intéressants, bien que difficiles à lire. Voilà mon reste fidèle chrétien. Je salue dans votre personne une Afrique qui dit au monde ce qu'elle pense. Une Afrique qui refuse de se taire. Une Afrique qui refuse de se compromettre ou de se complaire dans les lamentations. Que votre séjour dans votre diocèse soit des plus fructueux et qu'il déverse sur les fidèles toutes les bénédictions qu'ils attendent. Vive la commune d'Obala, vive le diocèse d'Obala, vive l'Église catholique et vive le Cameroun. Je vous remercie. Le mot de l'ordinaire des lieux, Mgr Sosthene Léopold Bayemi, évêque du diocèse d'Obala. Alléluia, 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 Jésus a pas ma sang.
tous ensemble. Alléluia. 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 Je suis heureux de me retrouver avec vous en ce sixième jour de l'octave de Pâques pour rendre grâce au Seigneur pour le don de 12 nouveaux ouvriers à la vie du Seigneur. Je voudrais saluer spécialement vos entités, la présence de notre Père, de notre grand Père, notre patriarche, son éminence, le vrai cardinal Sarah, qui depuis 5 jours est avec nous, nous enseigne, nous témoigne de sa foi, nous partage ce qu'il vit comme appelé par le Christ, nous encourage à la fidélité au Christ, à sa parole, à son Église. Éminence, je voudrais vous dire du fond de mon cœur la joie du peuple qui vous accueille. Compte. Je voudrais vous dire que nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous avoir au milieu de nous. Je voudrais vous dire, Éminence, que nous vous aimons. Je voudrais vous dire que vous nous avez confirmé réellement dans notre foi. Une foi qui accompagne la foi. Vous nous avez encouragés dans notre recherche de la sainteté, dans notre être famille de Dieu. Cher Père, mais vous nous avez aussi secoués, remués et même bousculés. Vous nous avez dit, et le maire l'a dit tout à l'heure, que rien de beau ne se fait dans le sang et le silence. Vous nous avez dit que Dieu parle le plus dans le silence. Mais vous nous avez également dit que la foi est un don de Dieu, et il doit se recevoir. Vous nous avez dit que la liturgie est un don de Dieu, elle se reçoit de Dieu. À cet égard, elle n'est pas notre création. Et que nous devons célébrer pour le Seigneur. Nous devons recourir à l'Eucharistie, vous nous avez dit, car est d'ici les disputes. Et Dieu seul sait combien de disputes existent dans notre chair de sexe à cause des différences, notamment des problèmes de terrain. L'Eucharistie, vous nous avez dit, fait de nous des consanguins, des frères et sœurs consanguins dans le Christ. Vous nous avez dit que nous devons recevoir l'Eucharistie avec beaucoup de crainte, de stupeur et de dignité. Vous nous avez interpellés pour que nous nous examinions avant de recevoir le corps et le sang du Christ.
et que la confession est une grâce. Et que nous prêtres, nous devons avoir le souci que Dieu a pour que notre charge nous mène à réconcilier notre peuple avec Dieu et les frères et sœurs entre eux. Vous nous avez dit que sans amour, il n'y a aucune autorité réelle. Il n'y a pas d'autorité sans amour. Et que c'est l'amour qui fonde toute autorité. À moi, vous avez dit personnellement, Monseigneur Sosthene, aimez vos prêtres, surtout ceux qui vous posent le plus de problèmes. En rencontrant les fidèles laïcs, vous leur avez dit qu'en tant que chrétien, le laïc est appelé à être le témoin du Christ là où il est, chacun dans sa fonction, dans son niveau de vie. Ils doivent être actifs où ils sont. Ils sont la lumière et le sel qui donnent la saveur au monde. Vous leur avez dit d'être les vrais disciples du Christ qui respectent la loi de Dieu au-delà de tout. Vous nous avez interpellés en nous disant à l'égard de la loi de Dieu que notre pays ne doit pas être le pays où on cherche à créer les hommes avec des fécondations in vitro qui ne respectent pas la loi de Dieu. Vous nous avez dit d'être baptisés, s'être plongés dans la Trinité, devenir fils de Dieu, fille de Dieu, un fils de sangle à son père. Vous nous avez rappelé que Marie est notre mère. Vous nous avez dit que le chapelet, c'est comme le pain par lequel nos mamans nous portaient, et quand tu as le chapelet, Marie nous portait toujours. Merci encore, immense. Et j'ai dit tout à l'heure ma grande joie d'avoir ces 12 diacres recevoir leur onction sacerdotale de vos mains. Parce que je sais que le Seigneur mystiquement agit en vous et qu'ils resteront marqués toute leur vie par vos paroles et surtout vous les porterez dans votre cœur, dans votre prière. J'ai eu la joie de vous voir prier. Et je me suis rappelé que les disciples, en voyant Jésus prier, lui avaient dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Merci pour votre témoignage. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Jésus. Vivons cette très belle célébration eucharistique. Dieu nous donne une journée ni ensoleillée ni pluvieuse. N'est-ce pas un signe de sa bonté? Ça n'est sûrement un. Vivons cette célébration, disais-je, dans la dignité, dans le recueillement, dans la joie. Je sais que la nouvelle Pentecôte que nous désirons de tout notre cœur, Dieu continue à la réaliser pour faire de nous des vrais disciples de Christ. Je sais que le Seigneur nous fait faire un pas aujourd'hui, un pas important. Je sais que le Seigneur visite son peuple. Je sais qu'il nous confirme dans notre désir de participer à la construction d'une Église toujours plus belle, rayonnant de la foi de ses ouvriers apostoliques et de ses fidèles. Je sais que le Seigneur est en sa main puissante aujourd'hui pour faire de nous un peuple de paix ouvert aux autres. Je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur bénit nos efforts pour lutter contre la misère, pour que nous soyons debout dans la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Je sais que l'Esprit Saint aujourd'hui bénira même nos poches pour que nous puissions améliorer la qualité de notre vie, mieux vendre au marché, avoir de meilleures chambres. Oui, je sais que Dieu bénit nos projets aujourd'hui et nos études. Je sais qu'à partir de votre visite d'éminence, le Seigneur agira pour que même le projet de la cathédrale connaisse une accélération très belle.
Nous ouvrons nos cœurs aujourd'hui pour laisser le Seigneur nous combler au-delà de ce que nous méritons. Loué soit Jésus-Christ. Nous renvoyons sur ce tous. L'Église recommande une participation consciente, active et fructueuse des fidèles à la messe. Et le cardinal recommande le silence. Ce ne sont pas les temps morts, des moments de cœur à cœur avec Dieu. Aussi, frères et sœurs dans le Christ, levons-nous et mettons-nous en présence du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. La paix soit avec nous. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La messe d'ordination presbytérale commence par la présentation et l'appel des candidats. Cela sera fait par le vicaire général numéro 1, Monseigneur Luc Onambélé. Ils s'avancent, ceux qui vont être ordonnés prêtres. Monsieur l'abbé, comme Dani et Yenga et Nama. Monsieur l'abbé Anatole Bikoua Mifuma. Monsieur l'abbé Martin Sidouane Beterembala. Monsieur l'abbé Michel Milon Guignol. Monsieur l'abbé Jean-Marie Molo. Monsieur l'abbé Rodi Mendougayébé. Monsieur l'abbé Pierre Simplice Mengan. Monsieur l'abbé Bertrand Rigobert Zé. Monsieur l'abbé Barthélemy Léger Moron-Barga. Monsieur l'abbé Ignace Anissaire Nomerolo. Monsieur l'abbé Marcel Cédric Villomekou. Monsieur l'abbé Marc Etounji Engama. Éminence, la Sainte Église vous présente ses fils comme Dani et Yengenama, Anatole Bikoumami Fouma, Martin Sidouane Beterembala, Michel Bilon Gignol, Jean-Marie Molo, Rodi Mendouveyebe, Pierre Simplice Mengan, Bertrand Rigobert Zé, Barthélemy Léger Roman Barga, Ignace Anissaire Nomo Ewolo, Marcel Cédric Bilomedou, Marc Etounji Engama, et demande que vous les ordonniez prêtres.
savez-vous si nous avons les aptitudes requises pour cela? Avant de vous répondre, Éminence, permettez-moi de vous les présenter succinctement. Monsieur l'abbé, comme Dani Eyenga et Nama, est originaire de la paroisse Marie-Mère Admirable de Nkomundu, diocèse d'Obala. Monsieur l'abbé Anatole Bikouami Fouma est originaire de la quasi-paroisse Saint-Dominique et Saint-Régine de Mbélé, diocèse d'Obala. Monsieur l'abbé Martin Sidouane Bekirambala est originaire de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus de Rebouti, diocèse d'Obala. Monsieur l'abbé Michel Bilan Dignol est originaire de la paroisse Sainte-Geneviève de Sombengue, diocèse de Léa. Monsieur l'abbé Jean-Marie Molo est originaire de la paroisse Sainte-Croix de Gomitas, diocèse d'Obala. Monsieur l'abbé Rodrigue Menoureyeve est originaire de la paroisse Saint-Luc de Tala, diocèse d'Obala. Monsieur l'abbé Pierre Saint-Pice Bernard est originaire de la paroisse Saint-Pierre Claver de Lolodoff, diocèse de Cliby. Monsieur l'abbé Bertrand Ricobert-Zé est originaire de la quasi-paroisse Saint-Grégoire de Missois, diocèse de Cliby. Monsieur l'abbé Barthélemy Léger-Vaumont-Barra est originaire de la paroisse Saint-François de Salle de Cantois, diocèse d'Obala. Monsieur l'abbé Ignace Anissé-Nomé-Wodo est originaire de la paroisse Saint-Jérôme de Voideux, diocèse d'Obala. Monsieur l'abbé Marcel Sédic-Bilomédou est originaire de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire-Lacombe, diocèse de Saint-Benimant. Monsieur l'abbé Marc Etounzi Engama est originaire de la paroisse Saint-Barthélemy d'Emba, diocèse d'Obala. Éminence, les chrétiens qui les connaissent ont été consultés, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons, nous les choisissons comme prêtres. Nous ratifions ce soir avec le chant du corps et avec des acclamations. Bye.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi. Tu as donné ton Fils au monde comme prêtre de ton alliance avec l'humanité pour la sanctifier et l'offrir à ta gloire. Accorde Denis, Anatole, Martin Sidoine, Michel, Jean-Marie, Rodrigue, Pierre Saint-Price, Bernard Rigobert, Barthélémy Léger, Ignace Anissé, Marcel Cédric et Marc, qui s'est choisi comme instrument vivant de ce service de travailler vraiment à la construction de ton corps. Lui qui vit et règne avec toi en unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous restons debout pour l'invocation du Saint-Esprit qui ouvre la liturgie de la parole. Sacerdoce, Lévitique et les prophètes, au chapitre 18, versets 1 à 18. Moïse dit au peuple d'Israël, les prêtres lévites, la tribu de Lévi tout entière,
n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices par le feu, offerts au Seigneur et de son patrimoine. Cette tribu n'aura pas d'héritage au milieu de ses frères, mais le Seigneur sera son héritage, comme il le lui a dit. Voici quels seront les droits des prêtres sur le bœuf, sur ceux qui offrent en sacrifice un bœuf ou un mouton. On donnera aux prêtres l'épaule, les joues et la panse. Tu lui donneras les prémices de ton froment, de ton vin nouveau et de ton huile fraîche, ainsi que les prémices de la toison de ton petit bétail. Car c'est lui, le prêtre, que le Seigneur ton Dieu a choisi parmi toutes les tribus pour se tenir en sa présence et servir en son nom, lui et ses fils, tous les jours. Si le Lévite vient de l'une de tes villes, de tout endroit en Israël où il séjourne, et qu'il désire entrer au lieu choisi par le Seigneur, il servira au nom du Seigneur son Dieu, comme tous ses frères Lévites qui se tiennent là, en présence du Seigneur. Il aura pour se nourrir une part égale à la leur, outre ce que chacun pourra tirer de la vente de biens paternels. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre l'abomination que commettent ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui scrute les présages ou pratique astrologie, incantation, enchantement, personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur, et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Toi, tu seras parfait à l'égard du Seigneur ton Dieu. Ces nations que tu vas déposséder, écoute les astrologues et ceux qui scrutent les présages. Mais à toi, ce n'est pas cela que t'a donné le Seigneur ton Dieu. Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors: ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Entends ma plainte, accueille ma prière.
est tiré de la seconde lettre de saint Paul aux Corinthiens. Durant son voyage en Macédoine, Paul fait un développement sur le ministère apostolique. Découvrons la noblesse de ce ministère dans cet extrait tiré du chapitre 4, versets 1 à 6. Thank you.
terre, en un duel prodigieux, le maître de la vie mourut, vivant il règne. Le Christ notre Pâque est ressuscité. Le Christ notre Pâque est ressuscité.
Jésus sortit pour se rendre, selon l'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce soit fait non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se leva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Acclamons la parole de Dieu. Mes seigneurs, Monseigneur le secrétaire d'annonciature, bien chers frères et sœurs, chers ordinants, avec une immense gratitude, je remercie Son Excellence Monseigneur Sosthene Léopold, votre évêque, et vous tous ici présents, pour la joie et l'honneur de présider cette sainte messe d'ordination sacerdotale. Je prierai spécialement aux intentions des ordinants, car aujourd'hui, ces ordinants sont comme au jardin de Gethsémanie. Ils entrent en agonie et transpirent du sang. Je prierai aussi aux intentions du diocèse d'Obala et de toutes les familles du diocèse. Et vous, chers ordinants, mes fils bien-aimés, je voudrais surtout m'adresser à vous, mais aussi
à vos frères aînés dans le sacerdoce. Car je voudrais vous aider, frères et sœurs, à comprendre ce qu'est le sacerdoce. Dans quelques instants, par l'imposition de mes mains et celle du presbytérium, vous serez consacré prêtre de Jésus-Christ et investi du pouvoir de porter la mission d'évangélisation dans le monde entier. Vous deviendrez non seulement des alter Christus, d'autres Christ, mais en vérité, chacun de vous sera ipse Christus. Il sera le Christ lui-même. Il dira, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Quel privilège, mais en même temps, quel terrible et redoutable charge. Être prêtre, c'est en effet devenir Jésus-Christ lui-même. C'est prolonger sa présence salvifique parmi les hommes. C'est s'efforcer de façon quotidienne de porter partout et toujours à notre corps les souffrances de mort de Jésus et de rayonner sa présence, de rendre à Dieu sa place centrale et prioritaire dans le monde, car un monde sans Dieu est un monde sans espérance. Le prêtre rend visible Dieu. Le prêtre est le signe qui nous rappelle le primat de Dieu dans un monde de plus en plus frivole, indifférent et même hostile à Jésus-Christ, à son évangile et à son Église. Être prêtre est le plus merveilleux et le plus grand don que Dieu ait fait à notre humanité. Être prêtre est un immense privilège qui nous fait et nous aide à continuer l'œuvre d'évangélisation initiée par Jésus. Être prêtre, c'est donc être attentif au troupeau dont l'Esprit Saint nous a établi gardien, prophète, l'Église de Dieu, en profonde communion avec votre évêque. En effet, le sacerdoce a été institué pour la prédication de l'Évangile et pour rétablir la communion entre Dieu et les hommes par le sacrifice eucharistique et la prière. Le sacerdoce puise sa source profonde dans un amour suprême, exclusif du Christ. Faire paître les brebis est en effet un acte d'amour. C'est seulement si nous aimons exclusivement Jésus-Christ que nous avons autorité et la charge de conduire le peuple de Dieu. Celui qui reçoit cette charge, c'est que désormais, il est lié pour toujours au Christ et à ses brebis. À l'image du Christ lui-même, c'est en donnant totalement sa vie
pour les soins de ces brebis. Ils lui sont confiés que le prêtre prouve qu'il aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. La vie sacerdotale manifeste et exige un très grand amour pour le Seigneur et pour les âmes. Ce qui résume la célèbre formule du curé d'Ars, Saint-Jean-Marie Vianney, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. On n'a pas le droit d'accepter le sacrement de l'ordination si on n'aime pas exclusivement Jésus-Christ. Mais aimer Dieu, c'est aussi aimer sa parole, la contempler attentivement et s'en nourrir chaque jour. D'où l'importance, dit Benoît XVI, de présenter le prêtre comme celui qui médite la parole de Dieu quotidiennement. Il est vrai que la méditation de la parole de Dieu est une tâche importante et fondamentale du prêtre de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Pourtant, cette parole s'est faite chère. La méditer signifie toujours aussi se nourrir de la chair qui nous est donnée dans la très sainte Eucharistie comme pain du ciel. Méditer la parole de Dieu dans l'Église de la Nouvelle Alliance revient toujours à s'abandonner à la chair de Jésus-Christ. Cet abandon implique d'accepter notre propre transformation par la croix. Le chrétien, mais plus davantage, le prêtre, il est structuré, il est façonné par la croix. S'abandonner à la chair de Jésus signifie entrer dans une totale transformation au Christ. C'est réussir notre configuration et notre identification au Christ. Le prêtre a l'obligation de faire tout ce qui est à son pouvoir pour laisser transparaître le Christ en lui, disait Saint Jean Chrysostome. L'âme du prêtre doit être pure, plus pure que les rayons du soleil, pour que jamais l'Esprit Saint ne l'abandonne et pour qu'il puisse dire « Je suis crucifié avec le Christ, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Ainsi, nous prêtres, nous pouvons toujours affirmer ce que Saint Paul, après des années de service à l'Évangile, souvent difficile et marqué par toutes sortes de souffrances, écrivait aux chrétiens de Corinthe. Miséricordieusement investi de ce ministère, nous ne faiblissons pas, nous ne conduisons pas avec astuce et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Bien cher Cardinal, par l'ordination sacerdotale, une transformation ontologique va s'effectuer en vous. Vous serez réellement ipse Christus, le Christ lui-même. En
quand nous voyons, on doit pouvoir voir le Christ. En vous entendant, on doit pouvoir entendre le Christ. Désormais, vous appartenez absolument à Dieu. Vous êtes consacré à Dieu, car vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Votre unique bien, votre seule richesse, c'est Dieu. Désormais, vous pouvez dire, le Seigneur est ma part d'héritage et ma coupe. Ma vie est entre tes mains, Seigneur. La part qui me revient fait mes délices. J'ai même le plus bel héritage. Ce psaume, nous aurions pu le chanter tout à l'heure. Pourquoi vous exprimez ainsi? Pourquoi Dieu est votre seule part d'héritage? Eh bien, dans l'Ancien Testament, alors que chaque tribu et chaque Israélite disposait d'un terrain qui lui assurait le nécessaire pour vivre, la tribu de Lévi, celle des prêtres, avait ceci de particulier. Elle seule était l'unique tribu qui ne possédait pas de terre en héritage. Elle était privée de terre et dépourvue d'une subsistance immédiate issue de la terre. Elle vivait seulement de Dieu et pour Dieu. Les prêtres, parce qu'ils sont radicalement consacrés, offerts et donnés à Dieu, ils renoncent au mariage, ils renoncent à la famille, ils renoncent aux gains matériels et financiers. Dieu seul est leur unique bien, leur unique amour, leur unique bonheur et leur héritage. La seule base de leur vie, y compris physique, c'est Dieu lui-même. Ils vivent pauvrement, mais ils sont riches de Dieu. Ils renoncent à avoir un métier, une profession, une plantation qui leur assure une existence matériellement confortable. Les prêtres doivent imiter et incarner la pauvreté de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui n'avait pas où reposer sa tête. Le moment que nous vivons aujourd'hui, chers frères et sœurs, est un moment unique pour cette vie des futurs prêtres. Ils choisissent Dieu seul comme seule richesse. Ils renoncent à tout pouvoir, à tout avoir, à toute famille. Nous devons les aider. Nous devons les accompagner par la prière, une prière silencieuse, parce que ce pourquoi nous demandons est une chose extrêmement difficile. Aujourd'hui, le seul accompagnement digne de ce prêtre, c'est le silence, c'est la prière. C'est nos rapports intimes avec Dieu. Car le véritable fondement de la vie du prêtre, le sel de son existence, la terre de sa vie, c'est Dieu et Dieu seul. Et le célibat, qui selon une tradition qui remonte à Jésus-Christ,
Jésus-Christ et aux apôtres ne peut être compris et vécu en définitive que sur ce fond où le prêtre se consacre totalement à Dieu. Consacre ton cœur, il consacre toutes ses capacités d'aimer à Dieu. Dieu devient son seul amour, sa seule et unique part d'héritage. Le célibat comporte une grande signification en tant qu'abandon d'un possible domaine terrestre ou d'un cercle de vie familiale. Le célibat devient même indispensable pour que notre démarche vers Dieu puisse demeurer le fondement de notre vie. Mais allons plus loin dans la méditation sur le sacerdoce. Qu'est-ce que vraiment le prêtre? La première lecture du livre du Deutéronome que nous venons d'entendre nous répond en disant: le prêtre, c'est celui que le Seigneur a choisi entre toutes les tribus pour se tenir devant Dieu, demeurer dans le service du nom du Seigneur et donner la bénédiction au nom du Seigneur. Deutéronome 18, verset 5. Cette définition du prêtre est si merveilleuse que le canon 2 de notre ministère romain décrit le ministère sacerdotal avec les paroles par lesquelles, dans le livre du Deutéronome, était décrite l'essence même, la nature même du sacerdoce vétérotestamentaire. Astare corante et tibi ministrare, nous tenir devant toi et te servir. Voilà la nature du prêtre, c'est se tenir devant Dieu et le servir. Ce sont par conséquent deux tâches qui définissent la nature du ministère sacerdotal. En premier lieu, c'est le fait de se tenir constamment devant Dieu. Les prêtres de l'Ancien Testament n'étaient pas tenus aux travaux habituels nécessaires pour assurer la vie quotidienne. Leur profession était de se tenir devant le Seigneur Dieu, de veiller sur lui, d'être là uniquement pour lui. La vie
Sérieusement. Ora et labora. Prière et travail. Avant de commencer son ministère public, il est allé pendant 40 jours et 40 nuits dans le désert pour prier et demeurer seul à seul avec le Père dans le silence et la solitude. Et cependant, et pourtant, pendant tout le temps de ces 3 années de ministère public, il s'est retiré très souvent seul avec ses disciples dans des endroits déserts et passé toute la nuit à prier. Pardonnez-moi d'insister, le seul maître qui nous apprendra à prier, c'est Jésus. Et nous prierons bien si nous imitons Jésus. Bien cher Cardinal, comme Jésus, soyez des hommes de Dieu et des hommes de prière. La prière de Jésus, dit encore le pape Benoît XVI, traverse toute sa vie comme un canal secret qui irrigue l'existence, les relations, les gestes, et qui les guide avec une fermeté progressive vers le don total de soi sur la croix et vers la mission salvifique selon le projet d'amour de Dieu. Mais prier ne consiste pas seulement à réciter les belles formules que nous trouvons dans les livres. Prier, c'est rejoindre Dieu avec l'entière vérité de notre être. Prier, c'est de nous démasquer, d'enlever notre masque, de nous tenir nus et transparents devant lui. Prier, c'est réussir à se taire pour écouter Dieu et nous tenir humblement et en adoration silencieuse devant Dieu et sous son regard qui nous scrute et connaît notre cœur. Prier, c'est laisser Dieu nous regarder et trouver notre joie et notre bonheur à le regarder, à le contempler en silence. Je l'avise et il m'avise, disait le bon paysan d'Ars à son curé Jean-Marie Vianney. Je regarde Dieu et Dieu me regarde. Je l'avise et il m'avise. C'est cela la prière. Se tenir devant Dieu et le servir humblement signifie enfin lui être proche. Mais cela signifie aussi obéissance filiale à la sainte volonté de Dieu. Le serviteur se place sur la parole de l'évangile de ce jour. Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. Par ces mots, Jésus, au jardin des Oliviers, a résolu la bataille décisive contre le péché, contre la rébellion du cœur de l'homme. Le péché d'Adam consistait à la désobéissance. Le péché d'Adam consistait justement dans le fait qu'il voulait réaliser sa volonté et non celle de Dieu. La tentation la plus désastreuse de l'humanité est toujours celle de vouloir
être totalement autonome et indépendante par rapport à Dieu. De suivre uniquement sa propre volonté et d'estimer que ce n'est que de cette manière que nous serons vraiment libres. Et que c'est grâce à une semblable liberté sans limite que l'homme serait vraiment homme et responsable de son destin. Se tenir devant Dieu et le servir, c'est tendre vers notre sainteté. C'est accueillir dans sa vie l'appel que Dieu nous adresse à devenir des saints. Soyez saints, parce que moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Ainsi, nous serons configurés au Christ, le Saint des dieux. Cher ordinant, le prêtre est fait pour être saint et conduire les autres vers la sainteté. Chers frères et sœurs, en vous demandant humblement pardon de la longueur de mon homélie, je voudrais, en ce jour mémorable et de grande joie, que nous demandions au Seigneur, pour nos ordinants et pour nous-mêmes, la grâce de nous tenir constamment devant Dieu, dans la prière, et le don de pouvoir à nouveau prononcer en ce sens notre oui à l'appel de Dieu à la sainteté de notre vie et à proclamer sa parole de salut, et que chacun de nous puisse dire: me voici Seigneur, envoie-moi pour faire ta volonté. Et Dieu Tout-Puissant vous aide et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Après la liturgie de la parole, nous passons à la liturgie d'ordination. Elle commence par l'engagement des futurs prêtres. Dans un dialogue avec le cardinal, les ordinants vont déclarer devant l'Assemblée leur intention de recevoir la charge presbytérale.
fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans les sacerdoces, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile, en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ, tout spécialement dans le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation selon la tradition de l'Église pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confié en étant toujours assidu à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous de jour en jour vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ qui s'est offert pour nous à son Père en victime sans tâche et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en nous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé.
promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Et Dieu lui-même agira en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Et Dieu lui-même agira en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. La litanie des saints. C'est la prière de l'assemblée demandant l'intercession des saints auprès de Dieu, dont l'aide est nécessaire pour se tenir devant Dieu et le servir, et pour tenir les engagements que les ordinants viennent de prêtre. C'est le temps pascal, nous mettons tous debout. Frères, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu ce qu'il a choisi comme prêtre. Demandons-lui de répandre sur eux les dons de son esprit. Baptista, oh,
Felicius esto. Seigneur. Amen.
l'imposition des mains. Ce geste signifie la transmission du ministère apostolique. Il manifeste aussi l'union des prêtres avec la retraite et l'agrégation de nouveaux membres dans l'ordre du presbytérat. Il sera directement suivi par la prière consécratoire. Pour cette imposition des mains, nous n'allons pas respecter la forme habituelle. Les évêques et les parents des ordinaires et les prêtres en chasuble passeront pour l'imposition des mains. Souvenez-vous qu'il y a des caméras derrière vous. Allez sur les angles. Allez à l'angle. Thank you.
Merci, Tom. Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui fondes la dignité de la personne humaine et qui répartis toute grâce, toi la source de toute vie et de toute croissance, pour former le peuple sacerdotal, qui suscite en lui, par la force de l'Esprit Saint, et selon les divers ordres des ministres de Jésus. Le Christ, ton Fils bien-aimé, déjà, est la première alliance, et comme pour annoncer les sacrements à venir, il avait mis à la tête du peuple des grands prêtres chargés de les conduire. Mais tu as aussi choisi d'autres hommes que tu as associés à leur service et qui les ont secondés dans leur tâche. C'est ainsi que tu as communiqué à 70 hommes près de sagesse l'esprit que tu avais donné à Moïse et tu as fait participer les fils d'Aaron à la consécration que leur père avait reçue. De même, lorsque ton fils Jésus, le grand prêtre et l'apôtre, que notre foi confesse, envoya en mission ses apôtres, il leur a donné des compagnons dans l'enseignement de la foi pour que l'évangile soit annoncé dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, donne-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté qui reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Ils incitent à la pureté des mœurs par l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient fidèles collaborateurs des évêques pour faire parvenir à toute l'humanité le message de l'Évangile et pour que toutes les nations rassemblées dans le Christ soient transformées en l'unique peuple de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
11h55, l'office en prêche pour l'éternité. Thank you.